Les Arts Florissants fêtent leurs 40 ans. Un ensemble qui a marqué plusieurs générations d'artistes de tous horizons. Et je suis avec le claveciniste Bertrand Cuiller. Bonjour. Bonjour. Quel est votre meilleur souvenir avec les Arts Florissants? En 2001, on a fait une grande tournée en novembre avec la musique de Charpentier aux États-Unis. Pour moi, c'était vraiment ma première tournée et c'était énorme. On a fait plein de villes et c'était la vie de tournée que je découvrais. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus chez William Christie? Il laisse les gens s'exprimer. Il choisit les gens aussi pour ça. Donc j'étais entouré d'un continuo de rêves et c'était le luxe. Pour moi, c'était vraiment un orchestre de luxe, quoi. Et Bill, c'est quelqu'un de très exigeant, qui demande beaucoup, qui demande le meilleur de chacun, vraiment tout le temps, avec ses musiciens, avec lui-même. Et du coup, le résultat est bon, quoi, vraiment bon. C'est le grand chef qui m'a fait confiance en premier, donc merci Bill. Merci beaucoup Bertrand Cuiller, et on vous retrouve le 16 mai prochain au Théâtre de Caen dans un programme couperin. Merci. Retrouvez les Arts Florissants dans un coffret anniversaire et leur discographie sur harmoniamundi.com. Radio Classique, et votre journée devient plus belle.